C'est quoi le lait? Merci à tous ceux qui sont venus à cette cérémonie spéciale pour mon amour. Il dit, hein? Ouais. Les gens sont obligés. C'était obligé de se marier. Non. C'était obligé de se non, marier. Non, franchement, il y a les mariages qu'il faut laisser. Qu'il faut laisser. C'est quoi? Gars, mieux ça comme on vient en reste. C'est quel est le mariage que vous arrivez? Le service chrétien d'abord, on ne comprend. On ne comprend même pas la tête de ça. On ne sait même pas où ça commence, où est le milieu et où est la fin. Et le marié même qui est assis, il est en train de contrôler le service chrétien comme s'il avait travaillé là-bas. Mesdames et messieurs, l'entrée des mariés. ou bien c'était la veste, ou bien c'était le pardessus, ou bien il a porté le costume. Tu vois pas, regarde la partie où on a donné le micro que félicite les invités d'être là et souhaite bon appétit aux invités. Il prend le micro et dit que oui, c'est les bienvenus ici vraiment. Ça a pris du temps pour que nous soyons où nous sommes là aujourd'hui. Mais pardon, s'il vous plaît, mangez, pensez aux autres. Mangez, pensez aux autres. Le riz là n'a pas cuit. Hein. Tu vois, voilà. N'a pas cuit. Voilà, bébé. Né. Moi-même, j'ai pensé comme toi. Le popcorn sans sucre. Eh, vraiment. C'est le mariage était forcé. La femme là, même, je ne sais pas, elle partait même où? Elle était sur le quartier, bien, elle avait un avenir. Hey, elle est pas chez quelqu'un. Mais il dit qu'avant le mariage, la go m'invite. Elle me dit que non, vraiment, quand tu vas venir à mon mariage, il faut bien te préparer parce que c'est le mariage de l'année, vraiment. Il ne faut pas que tu me souilles parce que tu es ma copine. Vraiment, parce que ce que je vais porter, ça vient de la Turquie et tout. Quand tu parles de Turquie là. Je suis arrivée là-bas, hein, belle comme si c'était mon mariage. Mon père. Alors que je n'ai pas fini les photos, même tu as vu. Laisse-moi pris une petite robe de la pandémie comme ça, et tu peux bébé, pardon, ferme la fête. C'est tout. Ce qui m'a donné, ben, c'est que vraiment, ce gars, il a. On marchait, on était trois. Il y avait Oscar, il y avait lui et moi. Ce qui est net, c'est que ce gars, il ne respecte même pas sa femme. Il a fait, j'ai dit à ce gars de prendre soin de lui, les orteils comme ça qu'on portait là, avec le noir dedans. Regarde, à l'intérieur, la saleté, papa, et yish. Non, il ne respecte pas sa femme. Aïe. Il va dire quoi, on m'a là, j'ai reconnu au moins. J'ai reconnu au moins trois filles. Et. Tu dis trois. Il y avait. Ne respecte pas sa femme. Il y avait une là qu'on appelle, celle qu'on appelle Mado. Elle était là. Il y avait Béatrice, la fille qui est allée au bar. Un homme infidèle. Bébé, chance que tu n'es pas comme ça. Non. Là, on dit que tu seras sans, ça sent. Moi, je ne suis pas le genre là. Non. Je ne suis pas le genre là. Donc, ça veut dire que le gars là, avec tout ce qu'il faisait, là, il y avait ses Njomba dans la salle. Il y avait ses Njomba dans la salle. Non, c'est pas les Njomba même. Il y a même une qui est enceinte. Mais. Il faut voir comment la fille a se vend. Si elle pouvait savoir l'escorte de son mari, maman. Non, je ne suis pas dedans. Non, mais pas dedans. Parfois, je reste comme ça, je prie le Seigneur. Parce que toi, non, tu es un bon gars. Quoi qu'on dise, tu es un bon gars. C'est vrai que tu as souvent tes petits dégagements, là, mais je suis quand même là. Je suis quand même là, je t'ai dit. Quel dégagement? Non, il veut dire, quand il dit dégagement, il veut dire, comme un homme, non, tu es un homme. Garons, nous, on connaît le comportement des hommes. Le comportement des hommes, c'est quoi? Fidèle comme toi. Tu vois, on était ensemble au mariage. Lui se marie à 5 femmes. Hé, mon doudou. Oh, chérie, je t'aime trop. Mais il faut quand même penser à voir par rapport au mariage, là, vraiment. Parce qu'il faut qu'un autre mariage, que ça ne soit pas le genre de mariage où on va se marier, parler. Ça soit le genre que, par exemple, donc, c'est le genre que tout le monde va se marier rentrer avec les souvenirs. Les autres, tu vois un peu. On peut même se décider, on offre les cadeaux aux gens. On ouvre les petits paquets, les petits diamants. On fait un peu différent, quoi. Les petits diamants. Oui, les tout petits diamants, tout petits diamants là. Tu travailles où? Tu travailles où comment? Tu travailles où? Ah, bébé laisse. Mais en quoi les soirs, vous voulez pousser les hommes à faire des choses qui ne passent pas. La femme là, elle travaille quoi? Elle travaille quoi, ça veut dire quoi? Donc tu peux pas me faire ça, tu peux pas faire ça pour moi. Ça même m'a d'avoir trop. Ah, vous les hommes, vous êtes toujours comme ça. Quand on parle bien, vous voulez toujours gâter à la fin.